Bonjour, bonjour. Donc, je me sentais un peu pas obligé, mais devais expliquer ce qui s'est passé et pourquoi il n'y a pas eu d'épisode. Donc, si vous êtes dans le Discord, vous savez un peu ce qui s'est passé. Donc, en gros, j'ai eu quelques problèmes de santé qui ont duré quand même une petite semaine assez chiant. Tout va bien maintenant, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Mais par contre, du coup, bah, ça m'a un peu retardé pour les vidéos de The Long Dark. En plus de ça, bien sûr, j'ai ma vie, hein, il faut bien vivre, travail, tout ça, machin. Et comme j'avais expliqué, après aussi, je fais du stream, du Twitch, et des gens sont venus me demander où étaient les vidéos de The Long Dark, donc j'ai expliqué. C'est vrai que pour ces jeux de survie, c'est un peu spécial, c'est-à-dire que moi je fais des vidéos qui font maximum une heure, mais mes séances de jeu sont minimum 2 voire 3 heures, voire plus. Des fois, j'ai fait des fois des séances de 5 heures. Si vous jouez à The Long Dark en mode intrus, en survie, etc., la moindre erreur peut vous coûter la vie et va vous coûter la sauvegarde. Donc du coup, après, je peux plus vraiment continuer la série, il faut recommencer, etc. Donc du coup, j'ai pas vraiment eu le temps, en fait, de bien m'installer et de faire des longues sessions. Si je fais des sessions de 20 minutes à chaque fois, ça va pas marcher, car je vais oublier ce que je suis en train de faire et je vais faire énormément d'erreurs. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de bien me poser et de bien travailler sur ma survie. Donc voilà, je voulais juste partager ça, mais on va essayer de se remettre dans le bain. Donc je pense que la dernière fois, on était allé se coucher après avoir tout crafté, genre couteau et tout ça. On va voir si on survit. Si vous voyez la vidéo, si vous m'écoutez maintenant, je pense qu'on a survécu. Je le sais pas encore, j'ai pas encore joué, donc on verra ça. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre patience et c'est parti, on continue. Se lève après notre grand sommeil qui a duré plusieurs semaines. Ouf, donc, on est toujours infecté. 52 volts. Ah oui, le feu. On a encore 2 heures de feu, très bien. Est-ce qu'on a moins 11? Ce qui fait vraiment. Ouais, d'accord, ok. Des fois, il faut attendre un tout petit peu. Ok, moins 23. On n'est pas complètement... on n'est pas complètement... requinqué. Aïe. J'essaye de tout me rappeler ce qu'on avait fait. Donc on a fait les pointes de flèche, on en a 12, très bien. On devra avoir le couteau et la hachette. La hachette elle est là, le couteau il est là. Très bien. On a un peu d'eau. On va pouvoir partir. On est bon en calories, on est bon en eau. Est-ce qu'on est bon en poids? 28 sur 26. Ouais, il faudrait dormir un peu plus, je pense. Gibier cru. Cuit. Mauvais état, ça c'est pour les appâts. Nous avons des fourrures, 3 fourrures. C'est combien à chaque fois la fourrure? C'est 5 kilos? Non, 5 ça sera un peu beaucoup. 0,75 du coup, et là 0,50. On va pouvoir les prendre et partir. Est-ce qu'il y a des choses à prendre sur les loups? Pas vraiment. Il n'y a que les boyaux, mais comme j'avais dit, les boyaux, c'est pas grave, c'est parce qu'ils nous manquent. Je pense que... C'est quoi ce bruit? Ça y est, je suis déjà en stress. Je pense qu'on pourrait... gibier cru. Je crois qu'on pourrait partir.
41 minutes. 2 heures. Je crois que... Je sais pas quelle heure il est. Quelle heure. Ah, il, presque, il fait presque jour. Il va falloir qu'on rentre pour qu'on soit tranquille, en fait. Je pense. La dernière fois aussi, j'ai fait pas mal d'erreurs parce que... Enfin, je l'avais déjà expliqué. Là, oui, on a de l'eau. On a laissé de l'eau. On voit pas grand-chose. Je suis désolé si on voit pas grand-chose, mais brouillard, etc. La dernière fois, on avait bu beaucoup de ça, des thés, et c'est vrai que c'était mon erreur, parce qu'à chaque fois, en fait, on dormait, je l'avais déjà expliqué, on dormait quelques heures, et pour moi, dans ma tête, le fait de dormir, en fait, on passait des jours, et du coup, ça marchait pas, donc je crois que j'ai gaspillé au moins 3 ou 4 thés, parce qu'on en avait trouvé pas mal des champignons, donc ça, c'est un peu emmerdant. Bon, enfin, bref, c'est pas grave, c'est passé. C'est passé, il nous reste encore des balles. Ça va, il nous reste des balles. Aussi, est-ce qu'on a la carte? Est-ce qu'on a la carte ici? Je crois pas avoir vraiment... C'est là? Ancienne propriété de la famille Spencer. Oui, je crois que c'est ça. C'est là où on est? Oui, on est là. Nous on avait fait comme ça, on est passé par le chemin de fer. J'avais envie de faire ça pour retourner. Là c'est là, c'est où c'est qu'on doit aller. Je pensais passer comme ça. Le problème c'est que bon, on n'est pas en très très bonne bon, le temps s'est amélioré. On n'est pas en très très bonne condition. Et il va sûrement avoir des loups. Hein. Encore 19 minutes. Il va sûrement avoir des loups. Donc c'est ça qui m'embête. Encore 2 minutes, on a encore 1h30. On a plus de bois, on est d'accord. Ah oui, il y avait les planches que je pouvais casser, mais je sais pas trop si on va perdre les planches là. En théorie, je dirais non. On peut tester. Non, ça serait quand même débile de perdre ces planches là. Vous allez pas me dire que les développeurs n'auraient pas pensé à ça. On va se rapprocher du feu. Voilà, très bien. Est-ce qu'on peut encore forger quelque chose? Il faut le marteau, on l'a, il est par terre. Ah ben j'ai oublié les heures, combien d'heures c'était? 3 heures, 4 heures et 1 heure. Ouais. Je sais pas si ça vaut le coup en fait. 4 heures. Est-ce qu'on fait un deuxième couteau? Est-ce qu'on fait un deuxième couteau? C'est ça que je suis en train de me demander. C'est vrai que le couteau, on va quand même bien l'utiliser. Ou alors on dort. Le truc, c'est où on utilise... où on fait un... Ou un couteau en plus, ou une hachette en plus. Et après... On dort, mais il va pas nous rester énormément d'heures. Ou alors on en profite pour dormir longtemps. Je pense qu'on va en profiter pour dormir longtemps. C'est le plus raisonnable. De toute façon, comme j'ai dit, on a des pierres ponces, là. C'est comme ça que ça s'appelle? Des pierres... non, pour l'île, pour affûter les lames. Donc on va pouvoir utiliser ça. On en a quelques-unes à la base, donc ça va. La scie, j'en ai une autre dessus ou pas? Un peu plus. Oui, j'en ai une autre. Je pense qu'on va la garder de côté. On va la laisser là. Comme ça, on pourra scier des choses si jamais on a besoin. Et... Merde! T'es sérieux? Elle a brûlé! Oh bah merde. J'ai pas fait attention, elle a brûlé. Oh putain. C'est rapide. Bah mince, elle a vraiment brûlé quoi. Putain. Pourtant elle est pas restée... Si elle met 40 minutes pour se cuire, elle brûle au bout de quoi? 20 minutes? Mais bon, j'ai pas autant parlé quoi, si. Bon bref, c'est pas grave. Ouais, je pense qu'on va encore dormir, comme ça on arrivera en milieu de matinée. Bon,
Combien de temps on va dormir? On a 4 heures. On a 4 heures. Le fétou, est-ce qu'il faut le ramener ou pas? Ça, c'est la question, par contre. Je sais qu'on a mis une boîte de conserve par terre. Oui, le fétou, il va falloir le prendre, je pense. Ouais. Ramasser. Ça, on va mettre ça là. Ça, on le laisse, ça, on le laisse. La viande, on va la prendre avec nous. J'ai combien de calories que... manger. Ah, très bien. Et on va dormir. On va dormir le plus possible. Donc 4 heures. On va dormir 4 heures et après on part. Et on rentre. Voilà, très bien. Très très bien. Je pense que... Comme d'habitude, c'est que ce qui est bien, c'est qu'on a encore un peu de feu à chaque fois. On a encore une heure. Je pense qu'on a du bon temps. C'est un peu... On va peut-être avoir du brouillard. On est à moins 6. Allez, on va partir maintenant. On va pas tenter le diable. On va partir. Voilà. On a plus d'eau par contre. On a encore ça. On va laisser ça là. Et ça, on le prend. Ça, on le prend. Est-ce que je mange ça ou pas? Est-ce qu'on mange ou pas? Calories. On va le manger parce que si jamais il y a un loup... Ah merde, on a tout mangé. J'aurais dû peut-être un peu mieux calculer mes calories. Parce que je voulais en fait en faire un... comment ça s'appelle? Un appât en fait, tout simplement un appât. Donc au final, bah non. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on y va. On est à combien? Ok. 29 minutes. Je regarde un peu les torches. Quelle torche on a? Quel état on a? 40, 20. Ok, c'est parfait. On va encore en prendre une et on part. C'est parti. Ok, on n'est pas... Oh, on n'est pas en surcharge en plus. Ah, très bien. Très très bien. 30, 30. Parfait. Bon. On tente la route. Ce qu'on va faire, on va tenter la route, ok? Parce que j'ai vraiment envie de... De trouver des... On a un bon temps en fait. En plus on a un beau temps. J'ai envie de trouver des... les champignons. J'ai vraiment envie de trouver les champignons. Parce que ça m'embête quand même d'avoir gâché autant de champignons. C'est... Même si ça fait plusieurs semaines, ça me trottine encore dans la tête. Donc voilà. Pour la torche, on va en garder allumée le plus possible. On a quelques petites torches, genre 20%, etc. Donc je vais les allumer petit à petit, en fait. Et on les utilise tout le long du chemin. Comme ça, si on a des loups, ils resteront plus ou moins à distance. Enfin, j'espère. Ça me manque un peu l'époque où on pouvait... Oh, voilà, là, c'est très bien. Ça me manque un peu l'époque où on pouvait brandir la... La torche en fait. Parce que maintenant on peut plus. Non, maintenant par contre on a un torse. Mais c'est pas grave, on va aller mieux quand on va balancer la torche. Donc, tout va bien. Par contre le problème c'est qu'on voit pas la... Oh, il y a une branche. Il y a encore du truc. Ouais. Oh là 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 là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah non! Non, 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 non! Non, honnêtement, là, on est... Attends, faut prendre la bonne. Est-ce qu'elle commence à s'éteindre? Ah non, pas de mauvais temps, sinon on va devoir courir. Oh putain. Ah, merde. La torche va s'éteindre, voilà. Évidemment. Je regarde aussi
le chemin qu'on peut prendre, parce que si jamais on se fait attaquer par des loups, il va falloir tracer vers les rails. C'est le plus safe. Honnêtement, c'est le plus safe. Il commence à faire froid, super. J'essaye de me protéger du vent. Si jamais il y a des loups, on fait demi-tour. Ah, voilà, cette partie qui est devant, je la sens pas. Cette grande partie... Ouais, il y a des loups, ok. Ah, est-ce qu'on peut passer directement là? Ok, cool. Un loup. Non, on va pas perdre notre temps. Peut-être pour ça on va perdre notre temps. Alors attends, peut-être que je peux passer comme ça et après sur la gauche. Oh la vache. Là, on va pas sauter. Je crois qu'on va... Ah, là, il y a tellement de troncs d'arbres. Il y a sûrement plein de champignons. Il y a sûrement obligé qu'il y ait plein de champignons. On va la jouer safe. On va essayer de revenir vers le centre. Dis-moi qu'on peut passer. Okay. On la joue safe, ok? Parce que ça va être délicat si on doit combattre des loups. Faudra aller là-haut aussi. Ah, mais quand on reviendra. Quand on aura des meilleurs vêtements et tout ça. Dis-moi qu'on peut passer là, ça m'étonnerait. Ça passe. Je crois qu'il y en a encore là-bas au fond. Ouais. On a bien fait. On a bien fait. Ok, très bien, très très bien. Okay, très très bien. Pourquoi pas. J'ai peur. Ouais, mais je suis déjà en surpoids. J'allais dire j'ai peur d'être en surpoids. Oh, bien. Ok, on a pris un bon chemin. Honnêtement, je me rappelais plus de cette cabane là. Ouais, alors, il fait toujours froid. Mais, là, on a pris un bon chemin. Ouais, vous voyez, il y a un loup encore. Je dirais même deux. Ouais, non, trop dangereux. Ouh, on est bon. Si la glace nous bloque pas, on est bon. Honnêtement. Mais en théorie, on devrait pouvoir... On devrait pouvoir passer tranquille, là. Revenir vers le centre. On est bien. J'ai un peu peur des gelures, mais... Il y a une grotte là. Non ? Ok, on se casse. Ah, risque d'hypothermie. Non, ça va, on a encore le temps. Je pense qu'on a le temps de rentrer tranquille. On a le temps de rentrer tranquille. Tant qu'on se perd pas, ça va. Ah, elle commence à être fatiguée. Comme j'ai dit, vu qu'elle est malade, c'est un peu l'embrouille à chaque fois. Bon, je suis content. Résultat des courses, on a quand même récupéré pas mal de petits champignons. Je parle beaucoup parce que, bon, un peu le stress de recommencer et tout ça. Ouais, sympa cette musique. J'ai jamais entendu, je crois. On a récupéré des nouveaux champignons, donc on a un peu rattrapé notre connerie. Il y a quand même beaucoup de ressources à récupérer, hein, quand on regarde. Il y a des...
Il y a plein de thé, alors des baies pour le thé. Champignons. Sur là, dans cet endroit là-bas, il doit en avoir plein encore des champignons. Il doit en avoir plein, plein, plein. Par contre, une seconde. Ok, ça. Hop. Ok, ça marche. J'étais en train de tester. Faut faire gaffe pour rentrer. Je crois qu'on s'était fait accueillir par un loup. Je crois qu'on était venu ici. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par là ou on va au centre? On va au centre. On a moins de chances de les trouver sur les rails. Et si jamais il nous sent depuis la forêt, tout ça, sur la droite ou la gauche. On aura assez de distance pour le mettre l'appât ou alors ou fuir tout simplement. J'aimerais bien aller voir ces troncs d'arbres, mais je ne me rappelle pas si on y est déjà allé. Je pense qu'on y est déjà allé. Enfin bref, allez go. On n'a rien oublié, hein. Bon, après, de toute façon, on peut refaire un tour. Hein. C'est pas très loin. Mais je sais qu'on a laissé une scie, mais on en a déjà une sur nous, donc c'est pas grave. On a laissé le marteau. Le marteau, c'est pas grave non plus, parce que le marteau, honnêtement, on s'en sert pas à grand-chose. Tout ce que fait le marteau, la hache peut le faire. Par exemple, casser des caisses et tout ça. La hache le fait, parce qu'on peut casser des caisses avec le marteau, donc la hache, ça marche aussi. Par contre, le marteau... Hop, pardon. Il y a une chose, c'est évidemment c'est le craft. Ça on peut le faire que seulement avec le marteau. Donc à la limite, laisser la truc là-bas, c'est pas grave. Laisser le marteau là-bas, c'est pas très 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 grave. On va passer sur la droite. Mais si jamais on doit vraiment changer de zone, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est aller récupérer le marteau. Mais bon, encore une fois. C'est si on a vraiment besoin de crafter, quoi. Aussi, on a récupéré un bout de bois. Je sais pas exactement lequel c'est. Encore une fois, je sais jamais lequel c'est. Si c'est pour l'arc ou alors si c'est pour les flèches. On va pouvoir utiliser l'arc. Quand on rentre. Parce que je crois que les balles commencent un peu à baisser. Donc on va pouvoir s'entraîner, s'amuser un peu avec l'arc. Ah, une bonne chose... Vu que les arcs, en fait, les flèches, vous pouvez les récupérer. Alors, les flèches se cassent au bout d'un moment, si vous savez pas. Par contre, vous ne perdez pas la pointe de flèche. Donc, la pointe de flèche, c'est ce qu'on a crafté. C'est le truc chiant à faire, quoi. Parce qu'il faut aller il faut aller à une forge et tout ça. Donc, ça, c'est extrêmement chiant à faire. Mais les flèches, ça va, parce que... un bout de bois, en fait, vous donne deux flèches. Donc, déjà, multiplié par deux à chaque fois, c'est bien. Et les bois, c'est pas extrêmement rare. Hein, on est d'accord, c'est pas excessivement rare. Donc, pour monter de niveau, moi, je me suis même amusé à aller chasser des lapins à l'arc. Donc, si vous voulez le faire ça, vous pouvez, quoi. Vous pouvez faire complètement ça. Ça fait de l'expérience, donc c'est facile. Le seul problème avec l'arc, c'est du coup de pas tuer en une flèche, quoi. Et... si le loup part avec la flèche plantée aux fesses, le cerf part avec la flèche, ça risque d'être la merde. Et c'est comme ça que vous perdez les flèches. Voilà, c'est vraiment le seul moyen de perdre les flèches. Ouh, on a un cerf là. On a un cerf là? Je pensais qu'on les avait tués, les cerfs, ici. Peut-être qu'ils sont revenus avec la tempête. Ok, on est bon. Donc au final, ça s'est bien passé, notre retour. J'ai vu qu'il y a plein de petits bouts de bois qui traînent. Donc ça, c'est lié à la tempête. On a eu une tempête, donc du coup, il y a plein de petits bouts de bois à récupérer. Oui, parfait. Parfait, parfait, parfait. Excusez-moi, j'ai dû couper le micro. Aïe, aïe, aïe.
ça, ça, tac, tac. Ok, très bien. On va pouvoir faire des... Ouais, plein de choses en loup. Ouais, en loup, ça va être bien. Tada. Ça, on a récupéré aussi les allumettes. C'est vrai que ça aussi, c'était pas du tout prévu. Mais du coup, tant mieux, quoi. Vraiment, vraiment, tant mieux. Notre petite Elia a bien survécu. Donc, jeune bouleau séché. Et là, on a un jeune bouleau. Bouleau, 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 bouleau. Ça doit être des flèches, tout ça. Ça doit être des flèches. Alors, ça, transférer tout. Alors, on a plein de plumes. Pour faire... Ah oui, pour faire les flèches, il faut des plumes aussi. Bon, les plumes, c'est encore plus simple à récupérer. Tissu, on va en prendre. On garde toujours du tissu sur nous, vous savez, ça permet de réparer des vêtements, tout ça, ça permet de perdre du temps, la plupart du temps. Ah, très bien, on a des livres. Ah, on a des allumettes à déposer. Tout jeter. Tout jeter. Merde. Attendez, ça c'est... J'en ai mis une par terre. Ça, on le mettra en haut. Je mets où les allumettes, normalement? Je me rappelle pas. Est-ce que j'avais un endroit pour les allumettes? Je me souviens pas. Ça. On recharge. Ah, très bien. On a des pierres à aiguiser. On en a trois. Très, très bien. Bien, bien, bien. Bah, ça se passe bien. Hein. On a, honnêtement, bah, je peux dire que, bah, on a accompli notre, on a accompli ce qu'on voulait faire. Voilà. Honnêtement, c'est top. On a encore du charbon ici. Qu'est-ce que j'ai que je vous dise, moi? Non, on a bien, bien travaillé. Hein. Truc de couture, on va le garder sur nous. On va poser l'autre. On a super bien travaillé. Ça, on va le détruire, s'il vous plaît. Ah, la question. Est-ce que nous avons à manger? Est-ce que nous avons à manger? On va mettre les flèches. Pointe de flèche. Ah, très bien. De l'eau, on en a. À manger, je suis pas sûr qu'on ait à manger, par contre. On a des réserves, hein, mais... Ah, on a plein de bois. Oh, je pensais qu'on avait plus de bois. Honnêtement, dans ma tête, on avait plus de bois. C'est faux. On a du bois. Ah, ça c'est vrai, c'est des trucs de mauvais état. Ça c'est... On se l'utilise pas. Ouais, on a plein de bois, on peut faire du feu pendant un long moment. J'essaye de me remémorer un peu ce qu'on a et ce qu'on doit faire et ce qu'on a fait. Ok, on va regarder le bois. Parce qu'à la limite, ce qu'on pourrait faire, vu qu'on est encore un peu en forme, c'est chasser le cerf. Ah, on a tout ça. Ok. Ouais, ce qu'on pourrait faire, c'est chasser le cerf. Mais elle n'est pas vraiment en forme, en fait. Pour la chasse. Et j'ai pas vraiment... En fait, le problème, c'est que si jamais on le tue pas en une balle... Ce qui va se passer, c'est qu'il va saigner. Bon, évidemment, si on l'a pas loupé. Hein. Il va saigner et... du coup, on va devoir lui courir après pour le finir, quoi. Parce que sinon, on va perdre la proie. On va perdre... On va tout perdre, quoi. Et on n'est pas assez en forme pour le suivre. Et on a de la nourriture en réserve. Donc, c'est pas très grave. Ça peut attendre. J'espère que le cerf ne va pas partir. Plume de corbeau, fût de flèche. Pour faire la flèche, il faut jeune bouleau.
Et après, il faudrait du jeune érable. On n'a pas d'érable, du coup. Ah. On n'a pas du tout d'érable. Ah bah ça, je suis assez étonné. Merde. On va pas pouvoir faire notre... notre arc. Ouais, on n'a pas... Non, on n'a pas. Il va falloir que... Bah, ça va être notre prochaine pseudo-mission. C'est de... Notre but, c'est de trouver de l'érable. Donc, je sais pas où. Dans la forêt, on va se balader. Honnêtement, je sais pas où il y en a. Peut-être vers le camp du trappeur. On va peut-être faire un tour là-bas. On a plein de livres. On va les lire. Mais pour le moment, bah, je suis un peu deg. Combien pour faire? Je crois que c'est une heure, non? Ouais, 53 minutes. Faire un fût de flèche. Ah, c'est 3 fûts de flèche, pardon, c'est 3. Dans ma tête, c'était 2, mais en fait, c'est 3. Donc, vous voyez que les flèches, c'est pas difficile à faire. Je dirais, à la limite, on peut en faire un. Hein. Juste pour passer le temps, parce que là, il est bientôt nuit. Je voudrais bien dormir la nuit, en fait. Comme ça, on se réveille en pleine journée. Alors, du coup, est-ce qu'il faut la prendre ou pas? La dose. Parce que maintenant, moi, j'hésite. Je sais plus vraiment s'il faut prendre la dose ou pas. Oh là 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 là. Oh merde, on avait ça tout gelé. Oh la vache. Ah, c'est pas bon, ça. J'avais pas vu qu'on avait... Bon, ça va se dégeler. C'était tout mouillé à cause de la tempête. Et ouais, il n'y a pas de protection contre l'eau en fait. Et du coup, c'était en train de geler. La meilleure des choses, ce serait de les enlever en fait. C'est ce qu'on va faire. Je sais pas si à l'intérieur on peut avoir des risques de gelure une fois qu'on se réchauffe. Je pense pas, mais. Mais bon, vous savez. Hein. Et là, on a 3 flèches maintenant, c'est bien. Ouais. Non, je sais pas trop si ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore un? Ça la fatigue pas énormément, donc hein, pourquoi pas faire les flèches, quoi. Enfin, faire des fûts. Et après, je crois que c'est une... Ouais, c'est 1h05. Pour une flèche. Ça, c'est le plus chiant, en fait. Là, dans le rouge. Ok, est-ce qu'on peut les mettre dedans? J'espère qu'on peut. Yes, ok. Vous voyez, on a 9 flèches déjà. Donc, hop, c'est bon, on peut utiliser les pointes et tout ça. On va prendre à manger. Et du coup, on va dormir le plus possible. On va dormir 12 heures, un truc comme ça. Ça, on va le garder de côté. Ça, il va falloir le cuire. C'est des grosses viandes. Ouais, 20... 800, pardon. 20, c'était le pourcentage. 800. Ouais, il va falloir qu'on cuise tout ça, là. Parce que je voudrais bien les utiliser avant qu'on... qu'on soit guéri, parce que c'est vrai que pour le moment, bah, on peut les utiliser parce qu'on est malade. Voilà. Donc, une fois qu'on sera guéri, du coup, on pourra plus vraiment les utiliser. C'est parti, on va dormir. Je vais voir les vêtements. 4% de gel. Ouais, je crois que ça dégèle plus vite quand on les enlève, je dirais. Je suis pas sûr. 10 heures. C'est parti.
Et on se réveille, buvons, buvons. Donc, aurore boréale. Intéressant, intéressant. Donc maintenant, que faire? Que faire? Je sais toujours pas s'il faut prendre la dose ou pas. On va attendre. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Je crois que je vais faire un tour sur Google pour être sûr de savoir quand on prend une dose, parce que là maintenant je commence un peu à plus trop savoir. On va remettre ça. Ah, très bien. Donc, nous avons plusieurs choses. On peut ou sortir et aller chasser, parce que bon, on est plus ou moins en forme, ça va. On est bien reposé, on a de la vie. En plus, c'est aurore boréale, donc peut-être que. Ah, on va peut-être pas trouver le cerf. On va y aller, on va voir. On va peut-être pas trouver le cerf. Ce qu'on peut faire, par contre, crafter à l'intérieur. On peut faire ça. On devait pas faire des vêtements, nous, aussi. J'avais oublié ça. Fourrure de loup, boyau séché. Il faudrait faire ça, je crois. Qu'est-ce qu'on voulait faire, nous? Ah non, attends, pantalon. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Je m'en rappelle plus. Les bottes, non, parce qu'on a des bonnes bottes. Les gants, non, parce qu'on a des bons gants. Donc c'est le torse, je crois. Donc, ouais, manteau en peau de loup. Je crois que c'est ça le prochain truc. C'est manteau en peau de loup. La chapka, on l'a, la chapka, ouais. Ouais, c'est manteau en peau de loup. Ah bah tiens, ça s'est arrêté. Bon bah, let's go. Ouais, c'est manteau en peau de loup qu'on veut faire. Par contre, 48 heures, hein, c'est. Non, 44 heures ou un truc comme ça. Donc je sais pas si je le montrerai. Peut-être qu'on fera une ellipse. Parce que bah, c'est beaucoup d'heures, quoi. On a encore 3 viandes à manger. Il fait froid quand même. On a encore 3 viandes à manger. Ah, il est là le cerf. Ok, on va tester. Il fait un peu nuit, je vois pas vraiment grand chose en fait. Ouais, c'est la fin de l'aurore boréale. C'est pour ça que le cerf est là. Oh putain, je vois rien. Vache. Enfin, pas loin en tout cas. On va essayer de le pousser vers le. Vers chez nous. Merde, je le vois plus. Merde. Ah mince, je l'ai fait peur, il est là-bas? Ah, j'ai dû le faire peur. Il a dû m'entendre de loin. Ouais, il est là. On essaie de le faire aller vers chez nous. Hey, Bou! Hey! Ah merde. Non, 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 non. Il est au mauvais endroit là. Oh putain, chier. Ah. C'est un peu embêtant en fait de le dépecer tout ça loin de la maison, quoi. Faut qu'on se mette bien derrière. J'ai un peu peur qu'on se fasse attaquer par un loup de la nuit. Là, voilà, on a déjà froid. Eh, Bou! Eh! Ah, très bien. Fais pas demi-tour, hein. Fais chier. Ah, t'es un peu con. Fais chier, non.
qui est trop loin. Oh, je sais pas, j'aurais dû tirer peut-être. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, tirer? Je sais pas. En plus, il fait froid maintenant. Ouais, non, je. Ouais, j'aurais dû peut-être tirer, on le tue, et puis voilà quoi. Je sais pas. Bon. Bon, bon, bon. Il fait bien froid. Ah, oh, starving. Vu que on est le matin, j'ai peut-être envie de faire un feu. D'abord, j'attends qu'il fasse un peu jour, qu'on voit. Et j'ai peut-être envie de faire cuire les aliments, les viandes qu'on a. Je pense que ça serait sage de faire ça. Et en plus on a un temps de merde. Et je suis bloqué. Je pense qu'on va à passer notre temps à cuire. Elle est en forme. Ouais, ça va. Elle est en forme. Je me demande si le symbole là ne signifie pas qu'il faut prendre une dose. On aura plusieurs traitements par jour. Continuer à faire le terme du traitement. J'aime même ce qu'ils disent. Il faudra plusieurs traitements par jour et après ils disent une dose par jour maximum. C'est pas logique. Enfin bref. Ouais, on va faire cuire. On va cuire les choses. On va faire à manger. On va faire à manger et on va faire comment ça s'appelle ? L'été. Parce qu'on en a 3 sur nous. Je pense qu'on en a un peu de côté, en bas, au rez-de-chaussée, mais je suis pas sûr. Donc on va en faire. Et puis, comme je viens de dire, on a un temps de merde. On reste à la maison quand on a un temps de merde. Évidemment. Évidemment. C'est un peu triste. Je voulais quand même chasser. Je voulais quand même un peu chasser. La torche commence à faiblir. Ah, ça devrait être bon. Oh yeah, that's a good one. Ah, très bien. Très très bien. On voit rien par contre. Ça, 9 minutes. 9 minutes. Bon, j'avoue que ça va pas être super intéressant, mais encore une fois, on a un temps de merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'étais prêt à aller. Chasser, moi j'étais prêt à aller chasser. Mais apparemment, le temps a décidé autrement. Ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on doit réparer des vêtements? Ouais, on doit réparer des vêtements, tissu réparé. Oh, I could eat a horse.
15 minutes, j'ai pas vu. Ouais, mais après ça met 30 minutes pour être brûlé, ça va. Je dois bien réparer mes chaussettes, parce que les chaussettes elles sont un peu morflées en fait. Ok, très bien. Yeah, on a pris un niveau de raccommodage. Ok, 9 minutes, très bien. On va aller prendre à manger. Je vais voir si on les a pas mis là, les de l'été. Yes, on les a mis là, ça marche. 2 sur 5, ça va. Ok, très bien. Ah, est-ce que je prends une dose maintenant ou pas? Ça me stresse, ça. Ça me stresse. Maintenant je sais plus, parce que j'ai peur de les... Vu que j'en ai... on en a gâché, maintenant je sais plus. Ah, maintenant j'hésite. Est-ce qu'on prend ou pas? Je dirais qu'on en a plein, donc autant en prendre. Autant en prendre une. On a dormi et tout ça. Ça va là. Fais voir un peu s'il y a un changement. On a le symbole, on doit prendre. Il n'y a pas écrit traité en fait. Traitement. Boire pour ça. Ok, maintenant c'est grisé. Maintenant c'est grisé, donc ça marche. Dose restante 5. Ok, ça marche. Ok, ça c'est encore illuminé. Ok, donc on fera la différence comme ça. Quand c'est... Là, on voit qu'il n'y a pas de... C'est pas... L'opacité, elle est au maximum. Donc quand il y a... voilà. Quand c'est transparent, on se mettra... On saura. J'ai du mal à trouver mes mots, des fois. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Oh merde, attendez. Il y en a qui brûlent là-haut, non? Normalement, c'est 30 minutes. Oh putain, me dis pas que j'ai loupé l'été. Que je suis pété. Non, c'est... Ça va. Cinquante minutes. Très bien. On va manger un truc. Ah, le feu. 3h, 40 minutes, 45 minutes. Est-ce que on a le temps de faire des flèches? Normalement, oui. Oui, ça passe. Ça doit mettre au moins 40 minutes avant de brûler. Ah, je crois que c'est même pas fini. Une minute, alors. Ah, une heure, ça va. Très bien. Très très bien. On va faire ça aussi. Quoi? Ah, j'ai pas d'eau. Ah, ça me fait... C'est toujours très surprenant, cette couleur rougeâtre comme ça, là. C'est... Ça me fait toujours un peu bizarre de faire ça. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de faire bouillir du sang, quoi. Ah, c'est bien pour Halloween. En octobre. Mais cette couleur, quoi. Regardez-moi ça, quoi. En plus, on dirait qu'il y a plusieurs... genre, comment dire... Genre couche. Il y a plusieurs couches dessus, donc on... Non, je vais sûrement dégoûter des gens. Je vais arrêter parce que... Non, on va pas parler de ça. C'est dégueulasse.
ça. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Ah, très bien. On va déposer ça. Faire attention à notre feu. Comme d'habitude, on prend toujours ça en premier parce que c'est les bâtons qui sont super faciles à trouver. C'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est pas grave. On a récupéré une torche de combien du coup? On va écraser ça. Ah, très bien. Non, 40 c'est bien. J'ai peur que la boîte soit pleine après, parce qu'il faudra faire... Il faudra laisser traîner les choses par terre. C'est un peu chiant quand il faut faire ça. Ah, on a un truc de... Une tisane de bouleau, c'est pour la vie, ça c'est bien. Ça va, ça va. On a combien d'eau sur nous? On a 3 litres, ça va. Par contre, faire les flèches, je sais pas si ça... Non, ça nous augmente que... Rien du tout. Ça nous augmente rien du tout, les flèches. On a 15. Et on a encore un bouleau séché. Et on en a un deuxième là. Ça pèse combien, par contre? C'est 0,20. Et une flèche, ça pèse combien? Pardon, les flèches, elles sont... 0,20. Et une flèche... C'est 0,05 je crois. 0,04. Donc ça va en faire 3. Les transformer directement en flèches. Ça va. On gagne même. On gagne parce que c'est 4, c'est pas 5. Ça ferait 15 x 3. Et là c'est 4, ouais, on gagne même en poids, donc c'est très très bien. Bah merde, plus de trucs. Non, non, c'est très bien de transformer directement en flèche, en fût de flèche. J'étais en train de me dire, peut-être qu'on devrait commencer, parce que bon, on peut pas utiliser les flèches du coup, mais on devrait peut-être à la limite... vu qu'on est bloqué à l'intérieur... commencer à crafter le manteau en loup. Déjà ça va bien nous aider aussi, c'est pour éviter les loups, parce que si vous étiez pas au courant, y a une chance de faire peur aux loups si vous portez le vêtement du loup. Alors, il y a un peu une façon de l'exploiter ça, parce que la peur en fait, donc 50 minutes, la peur va se déclencher quand le loup vous voit, en fait, quand le loup vous voit. Donc quand vous rentrez dans une voiture, on va regarder ce qu'il faut. Quand vous entrez dans une voiture, 4 et 4. Le loup va vous perdre de vue du coup. Ah, très bien. On l'avait pas commencé, on est d'accord. On va reprendre ça. Va vous perdre de vue. Et... quand vous ressortez de la voiture, quand vous êtes rentré puis que vous ressortez de la voiture du coup, bah, il va vous revoir à nouveau. Et du coup, encore une fois, il y aura une chance qu'il soit effrayé ou pas. Donc si jamais vous êtes entouré de loups, ben...
le coup de rentrer sortir d'une voiture, c'est vraiment très 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 efficace. C'est un peu une exploitation de comment fonctionne la peur des loups, mais bon, c'est dans un sens, c'est un peu logique aussi, quoi. Parce qu'à chaque fois que vous sortez, vous lui faites peur, quoi. Donc, à la limite. Mais voilà, c'est une bonne chose à faire. Aussi, ce que j'aurais voulu faire, c'est... faire du feu à l'extérieur. Vous voyez, je crois que la dernière fois, j'en avais fait... Ah putain, on est lourd. C'est créer du feu à l'extérieur avec une branche. Comme ça, ça nous fait monter de niveau. J'avais voulu faire ça. Mais vu avec le temps qu'on a, c'est pas possible. Peut-être à l'arrière, le vent souffle pas. On pourrait peut-être le faire. Mais bon, là on est un peu occupé, maintenant on craft. Si on commence à s'éparpiller, je vais sûrement brûler de la viande par erreur. Enfin, en l'oubliant. Oups, pardon, c'est pas ça. Voilà. On avance bien comme ça. J'ai pris les... Ah bah tiens, il n'y a plus le vent. J'ai pris les autres morceaux de viande pour les faire en fait. Comme ça, ça nous fera monter l'expérience de la cuisine, tout simplement. C'est vraiment que pour ça. Donc 25 minutes. Ça va être long pour crafter le vêtement du loup, c'est chiant. Man, I'm not sure I can carry much more. Ok, ça c'est bien. Ça en prend, on n'a rien d'autre. Ah, le cerf est revenu. Je crois qu'on avait un feu là, ouais, on a un feu. I wonder if I can drop any of this gear. Vous avez vu, on a eu beaucoup de tempêtes les unes après les autres, donc du coup il y a quand même des bouts de bois partout. Là c'est juste à côté de chez nous. Hein. Alors dans la forêt il doit en avoir plein de tous les côtés. La soif, ok, ça marche. Oui, la viande. On va la manger, la viande, directement. Alors, elle était en mauvais état aussi. Vous avez vu, elle était à 0%. En théorie, elle va redevenir à 50%. Parce que quand vous faites cuire les aliments, ça remonte à 50%. On pourrait lire... Par contre, je crois pas qu'on va pouvoir rester. Ouais, elle se fatigue vite parce qu'elle est malade. Mais bon, on a fait le plus important, c'est cuire ce qu'on voulait faire. Ça, il nous reste quand même beaucoup de temps, encore 42 heures quoi à faire, putain. Par contre, ça me tue. Ça, c'est un truc qui me tue maintenant de faire ça. En ours, 50 heures, ça c'est 30 heures la cape. C'est vraiment extrêmement chiant à faire, honnêtement. C'est vraiment, vraiment chiant. Normalement, c'est 50. Ouais, 50%. Enfin, 51. Temps de cuisson. Hop là. Ouais. Très bien, très très bien. Bah, qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce qu'elle se fatigue vite, donc on est un peu bloqué.
Est-ce qu'on peut prendre une dose encore là? Parce que j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que l'opacité elle est, il y a plus d'opacité, enfin, elle est au maximum pardon. Donc est-ce qu'on pourrait reprendre une dose? On va attendre quand même. Donc, 15 minutes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il n'y a pas grand chose à faire. Non. oui, recoudre. Pour faire ça. Préparer. Comme ça, on jette ça. Voilà. Faut que je regarde mes skills. Mes niveaux de skill. Ah, elle fatigue quand même vite. Quoique, regardez, on a crafté quand même toute la journée. Hein. On a crafté toute la journée. Encore 1h20, on va faire de l'eau du coup. On n'a plus rien à... on n'a plus rien à crafter. On a plus... Ça, on en a plus. On les a toutes faites. Les tisanes. Ça on jette, très bien. Est-ce qu'on a besoin d'alimenter le feu, honnêtement, vu qu'elle se fatigue? Je dirais on peut alimenter pour finir ça. Et c'est tout. On pourrait lire, ça nous avancerait pas à grand chose. Fondue dans 13 minutes et après il faut encore une heure pour qu'elle soit purifiée, qu'elle soit potable. Okay. Je pense qu'on va devoir encore mettre un bout de bois. On va pouvoir crafter encore une heure. Après on change l'eau et on va devoir pouvoir on va pouvoir le faire je pense. On va faire ça, fabriquer. Le couteau il s'abîme. On aurait dû faire un autre couteau. La blague. On aurait dû faire un autre couteau. Je sais pas si je l'avais montré la dernière fois, mais si vous mettez le feu là, pendant la nuit, ça va illuminer la place en bas. C'est un peu une exploitation par contre. Mais ça marche, donc du coup vous pouvez... utiliser le feu en haut pour illuminer le feu en bas. Pour illuminer le craft en bas, du coup, vous pouvez crafter la nuit. On fait 1 litre, ça fait fondu dans 20 minutes. Bouillie dans 20 minutes. Putain, ouais, on est tout décalé en fait. Ah, on est tout décalé, chiant. J'aime pas quand c'est ça. C'est pour ça que je déteste faire genre viande et eau. Bon, à moins qu'on en ait besoin évidemment, mais. Je déteste faire ça parce qu'après le temps est décalé, donc dans un sens c'est un il est fondu, l'autre il est épuré, donc je suis là à vouloir... Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du feu pour... on rajoute du feu pour finir, ou alors non, on tue le feu et puis il y en a un truc qu'on finit pas, comment on fait? Ça me perturbe à chaque fois. Ça va, on a gardé... On a récupéré ça... ah oui, regardons les skills là. C'est ça que je voulais voir. Alors, on est 3 en carcasse, très bien. On est 3 en cuisine maintenant. On est monté à 2, je crois, en raccommodage. Donc, temps de raccommodage, donc 10%. Donc, c'est pour ça que quand c'est 15 minutes, on a 13 minutes maintenant. Revolver, on l'a toujours pas. L'arc, ça augmente pas l'arc de créer les flèches. Ah, peut-être que créer les flèches, peut-être. Oui, je crois que créer les flèches, oui. Et l'arc, évidemment. Je crois que ça marche. Ça, c'est bien. La glace, on a toujours pas pêché. On est toujours pas allé pêcher. Par contre, on a toujours le feu à 1 pour 1, niveau 1. Ça, c'est un peu pourri. Je voudrais bien avoir niveau... Enfin, je voudrais bien monter le niveau, quoi.
excusez-moi. Ah, j'espère que j'aurais pensé à l'enlever. Ah merde, j'ai peut-être pas de bois sur moi. C'est con ce que je viens de faire. Est-ce que je parle de... Non, c'est con ce que je viens de faire. Je parle de monter de niveau du... du feu, donc dans ma tête je me suis dit tiens bah on a qu'à aller en allumer à l'extérieur, mais on a plus de petits bois. Oh, 50% c'est bien ça. Faudra, voilà, là on récupère un bois. Putain, fatigué quoi. Bouille dans 22 minutes. Minutes. Je sais pas si 30 minutes c'est suffisant pour ça. Ah, peut-être. Je sais pas, je dirais oui. Donc 30 minutes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de... d'alimenter plus le feu que ça? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. On va poser ça là. Oh, le bout de bois, on va le laisser sur nous. On va le garder sur nous. Tac tac tac. Ça on n'a pas besoin. Ça c'est quoi que si, on devrait le garder quand même. Si jamais on doit faire du feu. Quoique 5 kilos quand même. Non, on va le mettre en bas. Elle est lente parce qu'elle est fatiguée. Ça me fait plaisir de revenir sur la survie du week-end. J'aime bien. J'ai vraiment un truc que j'aime. On va le déposer. Et on va garder. Ça. Voilà, comme ça, ça nous permet de faire de l'eau si jamais on est... si on a vraiment besoin. De toute façon, la nourriture, on n'a pas besoin de ça pour en faire. Pour la faire cuire, je veux dire. On a des allumettes en plus, on peut allumer... Je regarde ce qu'on a. Ok, ok, on est bien. Là, on est à... 40 heures. On va pouvoir la fatiguer, crafter. On la fatigue et on redort encore une fois. J'ai bien envie de faire ça pendant quelques jours en fait, histoire de finir le craft. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Bouille dans 6 minutes, ouais, c'est parfait. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas trop. Mais à la limite, je le montrerai peut-être pas, comme ça. Ouais, peut-être qu'on va faire ça. Je vais voir. On va crafter encore un peu quelques heures. Je vais dormir, moi je vais faire une pause. Et je vais décider si jamais... est-ce que je reste à crafter. On peut plus prendre de torches. Est-ce que je reste à crafter. Comme ça, on a le... on a le manteau et ça sera plus safe pour nous. Parce que son état va continuer à se détériorer. Bon, déjà, il est bien détérioré. Hein. Et du coup, on sera peut-être, il nous restera que genre 2 jours de dose à prendre. Le temps qu'on finisse le craft. Ouais, je vais peut-être faire ça. On va peut-être faire ça. On va voir. Pouvoir crafter dans longtemps. Ah, on va bientôt fermer. Il y a le couteau, il faut faire attention au couteau. Ok, très bien. 36 heures, parfait. Est-ce qu'on a une pierre à aiguiser sur nous? Parce que ça aussi... Non. Ça aussi, il faut en prendre une sur nous. Merde, alors attendez. Je me rappelle où je les ai mis, mais est-ce qu'on va pouvoir les récupérer? Alors, attendez, là on est sur le... Non, on n'est pas là, on n'est pas bon. Là. Quitte, alors... Allumette bois. Nécessite de couture, allumette bois. Alors, attends, on doit être plus bas. Kit de nettoyage, donc c'est à droite, je crois. Allumette en bois, non. Non. Ah!
Pierre aiguisée, yes. J'espère qu'on en a... Ouais, je regarderai à la limite. On a combien? On a 1200, ça va, on peut dormir. On peut dormir encore. On va dormir encore une fois 10 heures maximum. Qu'on puisse et on va crafter. Je vais voir, on va voir. Si je décide à crafter, on fera une ellipse parce que ça prend trop de temps, c'est très très chiant à faire. Tout ce qui est genre 40 heures, etc., c'est chiant. Je vais pas faire des épisodes où on fait que ça, quoi. Là, c'est l'épisode du retour. Là. On va pas crafter pendant 40 épisodes non plus. Comme je disais, c'est chiant. Même pour moi, c'est chiant. Parce que je sais pas de quoi parler au bout d'un moment. 10, très bien. Ok, bonne nuit à tous. Cool. Plus 5.